Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Je vous retrouve hyper tard. Je ne vous ai pas vlogué en fait ce matin parce que je comptais vous vlogger ce soir. Je suis avec Carla, j'ai été la récupérer à 4h30 à l'école. Et comme convenu, je ne sais pas si vous avez regardé le vlog hier, je vous disais qu'on irait chez Kiabi toutes les deux, comme on a l'habitude de le faire à chaque fois. On essaye toujours de passer une petite après-midi ou une matinée ou quelque chose qu'on soit que toutes les deux. Voilà, on ne veut pas perdre ce... Ah ben non, on ne veut pas qu'on le perde. Voilà, même s'il y a Logan, on ne veut pas perdre ce rythme-là. Voilà, donc je vous disais qu'aujourd'hui, je ne vous ai pas dit la date, aujourd'hui nous sommes samedi... Non, on est vendredi. Ah non, vendredi 31. Parce que demain, on est le 1er. 31 juillet, et non pas novembre, parce que dans la vidéo d'hier, je vous ai dit qu'on était en novembre, n'importe bien sûr. Quoi. Oui, c'est en Noël novembre. Bientôt. C'est Noël, voilà, on va faire le sapin. N'importe quoi. Donc là, on est arrivé à la zone commerciale, et on va aller se manger une petite place, toutes les deux KFC. Bon, pour le rééquilibrage alimentaire, on verra à la rentrée. Encore, mais vu la chaleur d'aujourd'hui, voilà, il parce faut qu'aujourd'hui, manger des glaces. Je suis dans le sud, elle a du moins. Il faisait bien 30. Là, il faisait 36. 36 ? Là, il faisait 36. Oh, il y a donc, du coup, on va aller se manger une petite glace. On va commander. Chez KFC, c'est uniquement à la borne. Donc, du coup, on va faire la borne. Mais là, à l'intérieur, il y a du monde. Donc, on va attendre. J'ai pas pris mon désinfectant. Hein ? J'ai pas pris mon désinfectant. J'en ai dans la voiture. J'en ai dans mon sac, je crois. Ouais, là, on va attendre que le monde se. Ils sortent un petit peu parce qu'on ne peut pas tous rentrer. Ils me font rire, ils ont tous le masque comme ça. Ouais, ils font une barbe. Mais... Ils font rire. Oui, il y en a une ambiance avec une musique. Kenji. Une musique espagnole avec Kenji. Bon, allez, on va aller manger d'autres bouts de glace et je vous reprends. Voilà, on est paré avec Carla pour la glace. On va prendre le lait. Enlève un peu, on est dehors, j'avoue qu'il fait très très chaud, je transpire là au niveau de la bouche. Habitue-toi. Ouais, mais il fera pas aussi chaud là-bas à Disney, parce que là il faut s'habituer, mais il y a une odeur là. Non. Ouais, ça sent pas très très bon. Parce qu'on est peut-être à côté d'une poubelle. Non, ça sent pas bon. Tu sens pas, tu sais ce quoi, je sais ce que ça sent. Ah, ne le dis pas. C'est bon, j'ai senti. Oui, mais c'est une odeur de chaud. C'est parce que c'est les pneus qui font qu'ils ont cette odeur de chaud. Parce qu'on est à côté des voitures. Ah, il y a les voitures derrière. Et en fait, avec la chaleur, ça fait une odeur de chaud. Bon, bonne glace. Hein. Allez, à la tienne. Hein. Moi, j'ai pris caramel. Et moi, j'ai pris chocolat. Petit. Voilà. Donc, avant d'aller faire les boutiques, on se ravitaille. Ceux qui suivent mes vlogs, ils savent que Carla, c'est son péché mignon de manger les glaces. Les glaces comme ça, à l'italienne, j'adore. Très bon. À l'italienne, je sais pas si c'est à l'italienne, mais en tout cas... Ben oui, c'est à l'italienne quoi, c'est sundae. En fait, voilà les glaces sundae. Puis les glaces tout court en fait. Mais à la maison, cornet et tout. À la maison, tu manges pas de cornet, tu manges rien de tout ça. Parce qu'on n'en pense pas à en acheter. Ben on en a à la maison. Sinon, moi je mange les petits pots comme bébé, chocolat, vanille fraise. Les sneakers. Marie, si tu regardes ce vlog, Marie c'est Mademoiselle Hibou pour ceux qui ne savent pas. J'avais acheté des glaces quand elle est venue me voir à la maison. Et du coup, Carla elle est finie. Donc elle est contente que j'ai acheté des petits pots pour tes enfants. C'est, donc, peut-être, elle est finie. C'est peut-être pour les bébés, mais je trouve ça trop bon. Quand je rentre du travail, je m'en mange un petit. Voilà. Allez,
Moi je prends le truc. Trop chaud, ça se voit qu'il est fondu. J'aurais dû prendre chocolat comme t'as toi, il donne envie. Moi c'est du Nutella. Mais ouais, pourquoi j'ai pas pris ça moi? En plus tu m'as dit prendre caramel, c'était, mais je dis ouais t'as raison. Mais tu adores caramel? Ouais mais le McDo. Cassé, je sais qu'ils font du Nutella. Ouais mais ça. La prochaine fois. Ça y est, je me suis fait un petit plaisir en fait. Hein? Ouais. 100 euros chez Kiabi, c'est correct ou pas, Carla? Ben oui, ça va. Je me suis beaucoup acheté de dessous en fait, parce que ça faisait un moment que je mettais plus les dessous. Ça faisait bien depuis que j'étais enceinte de Logan que je mettais que des brassières. Et j'avoue que quand on est en brassière, au niveau confort, ça n'a rien à voir. Hein. Et j'ai du mal à remettre, mais dans le coffre, j'ai du mal à remettre en fait les soutifs. Mais là, je me suis acheté des soutifs sans armature, enfin un peu souple. Donc on va voir. Ouais, voilà. Donc on va voir si ça passe ou pas. Bon là, maintenant, on va aller jeter un petit coup d'œil chez les bébés. On va jeter quand même un petit coup d'œil. On n'a rien acheté. Bon, tu me diras, Logan il est habillé. Hein. J'achète. De toute façon, j'y achèterai rien. Non, tu t'es fait mal? Non, ma chaussure. Aïe. J'y achèterai rien parce qu'il a de quoi. Tu veux qu'on aille directement chez Kiko? Tu vas pas qu'on prenne. En plus, allez, j'ai que Kiko. Manger le pied.
paillettes dans ta vie? Celui-là? Ouais. Numéro 42. Ouais, j'ai des couleurs. J'ai des couleurs, comment ça s'appelle? Nude. Ouais, nude, mais c'est surtout pour l'hiver. Pour l'hiver? En fait, elle me fait tout. Enfin, j'aime bien celui-là. J'aime bien celui-là. J'aime bien l'orange. J'aime l'orange. Pour l'été, c'est très. Très beau? Ouais, j'aime bien l'orange. Bah, on prend l'orange. Ouais, je prends l'orange. Enfin, ça change. Puis j'ai les couleurs bizarres, moi j'aime trop. Je vais payer 1,62. Je regarde mes papiers, mes comptes. Tu fais des comptes? Là, non, pour, je regardais. Pour trois articles. Vous aviez des bonnes affaires à Kiko. Ouais, il y avait vraiment tout à. Vous achetiez deux produits, n'importe quelle gamme. Vernis, rouge à lèvres, mascara, fond de teint, crème. Et deux achetés, un offert. Le moins cher des trois, il est passé à zéro. Et là, Carla m'a dit, je crois qu'il est passé à 80 centimes. Bon, je m'en fiche, c'est 80 centimes. Mais c'est pas le problème offert du coup. Ouais, je sais pas. Bon, je m'en fiche. Mais au lieu de 4 euros, je sais pas, 3,99, il est passé à celui-là, c'est bien. Oui, non, c'est sûr. Donc voilà, maintenant on a fait notre petit tour. On va rentrer à la maison, ce qui est déjà 18h30. Et on va voir ce qu'on va faire à manger. Bon, en même temps... je suis revenu. Franck est revenu des courses, on a fait le drive aujourd'hui. Je vous ai tourné un retour de course que vous aurez sûrement vous l'aurez sûrement samedi, même pas, vous l'aurez dimanche. Voilà, vous l'aurez dimanche, le retour de course, comme ça j'ai des vidéos d'avance. Et puis voilà, puis là demain je vous aurai cette vidéo là. Bon, allez, à tout à l'heure. Voilà, ça y est, je vous reprends dans la voiture, je vais mettre du produit. Il fait exactement 43. Voilà, je peux vous dire qu'il fait très très chaud. Je me languais d'arriver à la maison, de boire de l'eau. Voilà, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Je veux bien que je me sorte mes lunettes de soleil, par contre, pour que je conduise. J'ai mon assistante. Alors, je sais pas ce que j'ai là. Si j'ai un truc ou pas. Et le chocolat. Bon, voilà. Chocolat? Ouais, j'avais du chocolat là, en fait. Heureusement j'avais le masque, parce que sinon j'aurais eu le chocolat tout le long du vlog. Merci Carla. Carla, c'est ma mère. Hein? Ah, elle est pas, oui. Ouais. Quand on part à Disney, chaque fois je dis, Carla, sors-moi ça dans le sac, dans le train. Hein? Dans le train, je dis, Carla, j'ai soif, Carla, j'ai si. Elle me fait, je suis sa mère. Hein? Chaque fois. Bon, enfin, allez, on y va parce que. Là, je prends mes lunettes, mais elles sont dans le coffre. J'ai la flemme. Vas-y. Non, c'est bon. Bon, allez, on y va. Bon, voilà, nous voilà de retour de notre petit tour de magasin. Donc, je vous fais un petit haul directement dans la vidéo. Donc, je la baptiserai en fait, je la nommerai en fait cette vidéo. On va dire vlog plus haul Kiabi. Alors, dans un premier temps, donc chez Kiabi, je me suis pris donc ce t-shirt pour partir donc à Disneyland avec Carla de la princesse Aurore. La belle au bois dormant. La belle au bois dormant, mais c'est la princesse Aurore. Bien sûr. Donc, du coup, celui-ci, il était à 12 euros. Voilà. Donc, il m'a beaucoup plu. Après, je me suis pris celui-ci de Cendrillon. Ah, coucou Logan. De Cendrillon. Donc du coup, Cendrillon. Donc du coup, de Cendrillon. Moi, j'adore celui-là. Non. Enfin, il est en train de ça. Logan fait des siennes. Son nouveau délire. Donc ça, c'est de Cendrillon. Après, celui-là. Je me suis pris aussi cette robe, j'ai adoré cette couleur saumon, nude, on va c'est dire. Nude. Ouais, couleur nude.
Elle faisait 18 euros. J'ai adoré. Je pense que je la mettrai demain. Donc demain, vous me verrez dans le vlog chez Primark avec cette robe. J'ai adoré. Voilà, comme ça. Voilà, elle est, je pense qu'elle est un petit peu au-dessus des genoux. Voilà, pour 18 euros, je pense que c'est bon. Voilà, donc c'est tout pour cette, ces petits achats chez Kiabi. Et Carla s'est pris chez Kiko des maquillages, je ne les présente pas. Hein, voilà. Bon, voilà, ce sera tout pour ce petit haul. Et Carla m'a acheté aussi dans une boutique, pas chez Kiabi, dans une boutique dans la zone commerciale. Cette jolie robe en bleu électrique, j'ai adoré aussi. Elle est très très bien, très très fluide. Et elle cache bien les formes. Et elle était au lieu de 25 euros, elle était soldée à 20 euros. Donc j'ai bien aimé, vous me la verrez aussi dans un futur vlog. Voilà. Bon voilà, je vous reprends, il est 19h30. Ben, ça y est, l'occasion de manger. Bon, j'ai pas pris encore ma douche, je la prendrai tranquillement après, comme ça... j'irai arroser le jardin, comme ça quand je reviens je prends ma douche. Pour ce soir ça sera du vite fait, ça sera haricots verts et des crêpes au jambon au désespoir de certains. Et ben oui, Jordan il aime pas, c'est tout. Jordan il aime pas, mais bon, on va manger ça et puis c'est tout. Voilà, Logan il a mangé de la purée courgette, haricots verts avec une pointe de crème, voilà. Pointe de crème. Ouais, il aime bien cette purée. En ce moment, il remange bien la purée. Maintenant qu'il fait chaud, il remange bien la purée. Non, mais n'importe quoi. C'est longtemps qu'on n'a pas mangé de la purée. C'est vrai, tu as raison. Ouais. On aurait pu en faire ce soir. Non, c'est bon, on mange ça. Des haricots verts. Ouais, ben, on va prendre une comment on appelle ça? Un fait-tout. On prend un truc pour faire le meilleur trésor. Haricots couverts dedans. De là. Une casserole, une poêle, c'est pareil. Non, c'est pas une casserole, c'est pas une poêle. Ça porte un nom, mais je ne me rappelle plus. J'ai un trou de mémoire. Ok, allez, on va préparer et je vous reprends tout à l'heure. Je vous reprends, mais il est quasiment minuit. Je viens de finir de monter le vlog d'aujourd'hui. De commencer à monter le vlog course. Et pour vous dire la vérité, je suis assez crevée, donc je pense que je vais vous laisser ici et rajouter ça à ce vlog. Parce que là, je voudrais vraiment aller me coucher. Et puis voilà, donc la journée s'est bien passée. J'étais contente de passer une après-midi, on va dire, court, puisque je récupère Carla à 4h30 au travail et après on part. Et papa, il passe du temps avec Logan. Voilà, pas trop, ça a été compliqué parce que Franck, du coup, il n'a pas dormi cet après-midi parce qu'il est allé récupérer les courses au drive. Et puis après, on a tourné le retour de course. Enfin, bref. Donc, du coup, il n'a pas eu le temps de se poser. Enfin, voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu comme d'habitude. Et je vous dis à très très vite dans un prochain vlog ou une prochaine vidéo. Ciao, ciao.